Onze Rock sur DC Radio 90.2 www.dc.fm. Onze Rock, c'est de la culture, et la culture rock sur Onze Rock, c'est Ozzy. On va parler fringues ce soir, et plus particulièrement du sac US. Le sac US armé, et oui, il possède ce point commun avec le pantalon slim, c'est qu'il est impossible à enfiler à moins de 15 minutes, et que la décence, rappelons-le, convient de ne plus inscrire à sa garde-robe à partir d'un certain âge. Il revient régulièrement à la mode, tous les 10-15 ans, et chaque génération s'en empare avec ses codes spécifiques. Déjà en vogue à la fin des années 60, les babacools dénichaient ce sac en toile pourvu d'une petite poche sur le côté et d'une grande à l'arrière dans les stocks américains, les friperies, et les tenaient généralement en bandoulière. Dans les années 80, plutôt porté sur le dos, il devint l'objet incontournable des cours de récréation, des collèges et des lycées. Et pourtant, pour une fois, les parents avaient bien raison, il n'y avait pas pire contenant pour transporter des affaires scolaires. La souplesse de la toile ne protégeait pas du tout les livres, et ça, les livres se faisaient vraiment la malle et se cornaient, ils étaient bien maltraités. Les coins de la sacoche, généralement aussi jetés avec des involtures, se trouaient en quelques mois. À l'époque, son espérance de vie ne dépassait guère une année scolaire, donc. Mais au diable la qualité et l'aspect pratique, seul importait la personnalisation du D-Sac avec des badges, des taches d'encre et des inscriptions en marqueur indiquant les goûts musicaux du propriétaire. Et principalement AC/DC, The Cure, Motorhead, Iron Maiden, Dire Straits, figuraient parmi les plus tagués, sans oublier le must absolu, Trust, composé avec le US, et oui, Trust, T-R-U-S-T, du logo qui devait impérativement figurer sur le rabat, sous peine de se voir accusé de posséder un faux et d'attraper la honte de sa vie. Les puristes le préféraient en version kaki, les plus sages, ou leurs parents plutôt, les choisissaient de couleur noire, ce qui permettait l'ajout de quelques badges et épingles à nourrice, mais empêchait de ce fait tout marquage. Unisex, hardos ou gothique, punk ou pop rock, le sac US armé figurait dans la panoplie de toutes les communautés rock et même de quelques jeunes professeurs débutants désireux de rester dans le coup. Réapparu au début des années 2000, il se porte aujourd'hui de préférence en bandoulière et certains ont même été aperçus avec l'inscription Lady Gaga. Ainsi va la mode, ainsi va le temps, tout se perd, ma brave dame. Mais que tu veuilles ou non, il faudra faire avec.